Gaël Fratelli, vous allez nous parler de l'actualité de Dame Bulle. Alors, quelle est-elle ? Alors, Dame Bulle, elle rentre d'un grand tour de France auprès des enfants hospitalisés. Et donc, elle continue à parler de ses actions à travers son livre. Donc, l'histoire, le voyage de Dame Bulle qui raconte son aventure, qui est une recherche de secrets. Elle est partie autour du monde, elle a traversé tous les continents à la recherche d'un secret. Et c'est cette histoire que Dame Bulle, le personnage, donc en chair, va raconter auprès des enfants hospitalisés, voilà, dans différents centres, dans les services de pédiatrie, de chirurgie, etc. Donc c'est un grand projet qu'on a mis en place depuis un an. Et qui le personnage a été créé sur Mulhouse et maintenant essaie d'aller visiter de multiples enfants partout en France. Alors expliquez-nous, on a mis en place le on. Alors le on, c'est-à-dire que j'ai été sélectionnée donc en tant que comédienne pour faire des actions auprès des enfants hospitalisés. Donc ça a démarré donc sur Mulhouse en 2012 sur 6 mois. J'ai créé une brigade de clowns. Donc on était des trios de clowns allant à la rencontre des services de pédiatrie et de chirurgie donc sur Mulhouse au départ. Et après on a mis en place avec les services des moments de conte où j'allais raconter mes histoires. Donc qui sont les histoires que je joue en spectacle. Donc à Soukile, le vieux lion, un conte africain, et j'ai créé le personnage de Dame Bulle, qui est un personnage qui un peu farfelu, qui vient raconter son histoire avec quelques accessoires, des instruments de musique, des costumes. Et donc ce personnage, Dame Bulle, est allé à la rencontre des enfants, pareil, dans les hôpitaux. C'était dans l'envie de faire une petite forme qui puisse justement être adaptée au chevet. Quand les enfants ne pouvaient pas se déplacer pour un moment de spectacle, j'allais aussi au chevet raconter les histoires. Donc voilà, Dame Bulle, elle arrive avec juste sa petite valise d'accessoires et elle vient raconter une histoire pleine de fantaisie. Alors si j'étais directeur d'hôpital et que je voulais vous contacter pour un spectacle, je ferais comment ? Eh bien, il faut contacter la compagnie L'Inattendu, donc la compagnie mulhousienne L'Inattendu, donc soit sur le site internet, donc l'inattendu.com, ou sinon, sur Mulhouse, on trouve les informations, effectivement, le mieux, le site internet, ou le 06 40 109 119. Vous déplacez en toute la France, ou c'est un projet qui est déjà bien établi ? Oui, alors là, je rentre de 2 mois de Tour de France, effectivement, donc dans 12 régions différentes, où là, je suis allée à la rencontre d'enfants multiples de différents services aussi, de la pédiatrie, de la chirurgie, mais aussi des grands brûlés, des enfants en chambre stérile, etc., dans différents centres hospitaliers de France. Et là, c'était un premier Tour de France sur 2 mois, en un seul voyage. Mais justement, pour 2014, l'idée, c'est d'aller voir un maximum d'enfants et continuer ces actions. Donc, il y a certaines régions où on essaie de mettre en place des partenariats pour continuer justement à multiplier ces moments, ces petites bulles de plaisir qu'on offre aux enfants. Chaque enfant reçoit le spectacle et à chaque fois le livre aussi de l'histoire qu'ils entendent en fait.